Et Getty et voilà, Gettinel et Carlin sont un exemple concret devant nous. Et alors, vu que les deux s'unissent pour bâtir un édifice qu'on appelle le couple, j'aimerais rapidement donner trois lois ou trois conseils qui peuvent les aider à entrer dans cet engagement. La première loi, j'aimerais parler de la loi de la priorité dans le mariage. J'aimerais dire à Carlin et à Gettinel, ici présents, que Dieu doit avoir la priorité dans votre mariage. Dans tout ce que vous allez faire, que Dieu puisse être toujours au centre et qu'il puisse être la priorité dans votre mariage. Donc il faudrait savoir que la personne la plus importante dans votre couple, après Dieu, c'est votre conjoint. Donc la personne la plus importante dans ta famille, Carlin, après Dieu, c'est Gettinel. Et Gettinel, de ton côté aussi, la personne la plus importante dans ton couple, après Dieu, c'est Carlin. Amen, bien-aimé. Donc je vous parle de la loi de la priorité. À qui vous donnez la priorité? Si vous donnez la priorité à Dieu, Dieu sera toujours là pour vous soutenir tout au long des problèmes, tout au long de tout ce qui peut vous arriver. Avec cette alliance, Carla Mayele, je t'épouse. Avec cette alliance, Carla Mayele, je t'épouse. Non, je pense qu'une personne n'a pas entendu. Tu peux faire mieux que ça. Avec toutes ces femmes, elle a choisi Gettinel. Elle a regardé en Amérique, elle a trouvé personne. Elle a dit, je vais essayer peut-être en Afrique, on peut m'expédier une femme. Mais elle n'a pas trouvé. Elle a dit, peut-être qu'elle se trouve en Asie. Mais avant qu'il ne puisse aller en Asie, il a regardé en Europe, il a dit qu'elle est là. Il a dit qu'elle est là. Même si on devrait recommencer le monde, je la choisirai encore. Alors Getty et moi, on s'est rencontrés en 2014. Au fait, quand je suis revenu du Canada, donc on m'a invité à une convention dans une église de la place. Et enfin, je suis parti parce que je suis déjà chrétien, donc j'aime tout ce qui est lié à Christ. Donc j'arrive et puis je croise Getty. Elle faisait l'accueil, donc je pouvais pas imaginer que un jour, elle et moi, on allait célébrer un grand jour tel que le mariage.
Voilà, on s'est rencontrés là. Et puis après, j'ai commencé à fréquenter cette église. Et on a commencé comme frères et sœurs. Après, petit à petit, on a appris à nous découvrir, donc l'un envers l'autre. Et ça aboutit à une relation. Donc aujourd'hui, on est quasiment mariés, quoi, parce qu'on a déjà fait les deux. On a fait le traditionnel et le civil. Aujourd'hui, c'est en tant que chrétien, on veut honorer notre Dieu, donc on fait le religieux aujourd'hui. Alors, voilà. En résumé, c'est ça. en tant que chrétien, si je dois dire merci premièrement à Dieu, donc, c'est lui qui est le réalisateur de toutes choses. Donc, c'est lui qui a, au fait, ça a commencé par une promesse, par une révélation. Parce que quand on est chrétien, je pense que Dieu, quand on passe des moments d'intimité avec Dieu, Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses et Dieu nous confirme aussi dans nos choix. Donc ça a commencé par une révélation, une confirmation. Après, et il nous a aidé vraiment à organiser organiser ces mariages et puis arriver. Aujourd'hui, donc si je dois dire merci premièrement, c'est à lui. Après, il a mis à côté de nous, en fait, des personnes qui nous ont aidés. Donc, moi, je penserai à nos deux familles, à mes amis. Donc, voilà. Il y a aussi, comme on dit, il y a certains zéros dans l'ombre. Donc, je ne citerai pas le nom, mais j'ai l'air dit vraiment du. Fin fond de mon cœur, donc merci. Un coup de foudre, non. Enfin, non, pas au départ. Non. J'ai découvert une fille que je connaissais. Enfin, j'ai fait la connaissance d'une fille et au fil du temps, j'ai appris à la connaître en profondeur. Et je dirais qu'aujourd'hui, Getty, si je dois te dire quelque chose, je ne suis pas déçu au fait de faire ces choix-là. Parce que. J'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de qualités en toi et je suis fier de pouvoir t'honorer aujourd'hui devant l'église, quoi. Donc
Maintenant, je peux dire que le coup de foudre est venu après. Donc oui, merci la famille. Merci à ma belle famille aussi de nous avoir aidés à réaliser ces projets. Merci à mes amis, merci à Liron Bonana, merci à Jean-Christophe Amesson, mon pote, merci à Garol, mon petit Garol, Louvangadou. Merci à tout le monde, merci à Jojo, merci à Serge de Paris. Excuse-moi, ça fait quoi de voir Getty en robe blanche? Papa, c'est déjà une joie, je remercie le Seigneur parce que c'est un Dieu de miracles. Il a réalisé ses promesses. Et je sais que ce qu'il a commencé, il va le faire. Il ne fait jamais des choses à moitié, il commence et il achève. Il nous a fait la joie et je sais que le Seigneur fera encore de grandes choses. Non, ça fait plaisir. Donc ça veut dire que la mission est bien réussie. Donc on a fait ce qu'on pouvait faire, on a rempli notre devoir en tant que parents, et ça c'est le plus important. Voilà. Et papa, ouais. Vous savez, vous avez des garçons et vous avez des filles, alors vous avez maintenant une autre fille ouais. qui vient de rentrer dans ta famille, ouais. elle s'appelle Getty, regarde, ouais. elle te regarde, ouais. tu lui dis quoi à Getty? Sois la bienvenue. Je suis toujours dans la carte de Bala, et je suis toujours amour. Parce que nous avons le bac, au moins les gens qui ont le bac, ils ont le bac. Nous avons le bac. Nous avons le bac. Pour nous, nous avons le bac. Nous avons le bac. Nous avons le bac. Nous avons le bac. Alors, nous avons le bac. Amour. Ce que amour est allé. Pour amour est si je suis là. Je te dis amour. Amour, amour. Pardon, est allé. Nakati amour. Peut-être Linga les a pauvres. Oh Linga le bisou balali nanani. Mais nakati amour. Naibite l'amour veut dire beaucoup. Pour ce raison Linga, pour te pardonner. Les a passage mon biblique pour soupçonner t'es. Hein? Oko yinate. Et bandele ma solo. Ça fait quoi de voir Getty en robe blanche? Hier c'était Lionel, aujourd'hui c'est Getty. Ça fait quoi en d'abord, tant que grand frère? Je pense encore à Getty quand elle avait 14 ans. Donc j'ai l'image de Getty petite en fait. Aujourd'hui c'est une femme. Très 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 heureux. Voir sa petite soeur se marier, c'est une bonne chose. Elle te regarde. Getty, je t'aime, Carlin, je vous aime, au Bali Kito, mais c'est pas fini. C'est beaucoup de bonheur. C'est beaucoup de bonheur parce que en plus c'est une bonne personne. Ce serait un bon mari pour Getty, j'en suis convaincu. Donc si je dois remercier des gens, je remercie premièrement après Dieu dans nos deux familles respectives, ma famille et ma belle famille. Ils nous ont beaucoup aidés pour réaliser ces projets. Et après, en particulier mes amis qui ont beaucoup contribué aussi. Donc je pense à Liron Bonana, à Jean-Christophe Amesson, à Garol Louvangadio, à Jojo de Paris, à Serge de Paris, à David Bakomba, aux amis aussi de madame, donc Stéphie Eke, Sarah Kapai, Sarah Kiangoudi, Estelle Kiangoudi, Naomi Diwa, ma petite Naomi Diwa. Voilà, tous ces mondes-là, Linda qui n'est pas avec nous aujourd'hui, on a une grosse pensée pour toi, Linda, donc porte-toi bien. Voilà, donc RG Caps, Noëlla Glamour. Donc je vous remercie tous. Le marié Carla va aussi faire son entrée. Alors sous vos acclamations, acclamons pendant que les garçons de la vont s'avancer.
Bénissons le Seigneur pour la vie de Carlin. Acclamons le Seigneur. Nos amours sont tués. Nos amours sont tués. Nos amours sont tués. Nos amours sont tués. Nous ne pouvons pas nous emporter. C'est tout mon amour et toute ma foi. C'est tout mon amour et toute ma foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouais, Getty. Je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. Je t'épouse. Je t'épouse. Je t'accepte comme mon mari. Je t'accepte comme le ciel l'entend. Le ciel l'entend. La terre l'entend. La terre l'entend. Les gens qui sont ici entendent. Les gens qui sont ici entendent. Et à part moi
il n'y aura pas d'autre femme dans ta vie. Oui, il n'y aura pas d'autre femme. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Dans les moments difficiles. Dans les moments, dans les moments de joie. Dans les moments de joie. Alléluia, que le ciel t'entende. Mais c'est pas mon Seigneur. Devant les hommes, devant le ciel, que Carlin et Katie sont mari et femme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De soulever. Non, aidez-moi. Je vais demander aux mariés de soulever. Carlin, je pense que tu as entendu la demande de la congrégation. Tu vas saluer, tu vas soulever le voile et saluer la mariée.